Le projet Morevna, en association avec Ethic Cinema, vous présente Je me suis encore couchée sans fermer la fenêtre. Oh, mais quel vent! Et pourquoi je vois Komona par la fenêtre? Komona? Oh, le concours! Précédemment, Pepper n'a pas aménagé ses efforts pour se préparer au concours de potions. J'ai dû m'endormir sans faire exprès! Mais... où suis-je? Hein? Carotte, t'es trop mignon d'avoir pensé à m'emmener au concours. Alors? Tu as même pensé à prendre une potion, mes vêtements, mes chapeaux. Voyons voir quelle potion tu as prise. Alors, qu'avons-nous là? Non! En tant que maire de Komona, je déclare le concours de potions officiellement ouvert. Pour cette première édition, nous n'accueillons pas moins de 4 sorcières. Merci de les applaudir bien fort. Venue du grand pays de l'Union des technologistes, c'est un honneur d'accueillir la ravissante et ingénieuse Oriande. N'oublions pas notre fille du pays, venant de Komona, Safran. Notre troisième participante nous vient du pays des lunes couchantes, la mystérieuse Ichimi. Et enfin, notre dernière participante qui nous vient de la forêt de Boutancureuil, Pepper. Mesdames et messieurs, la gagnante sera déterminée à l'applaudimètre. Que le concours commence! Tout d'abord, place à la démonstration de coriandre! Mesdames et messieurs, plus besoin d'avoir peur de la mort grâce à ma potion de zombification. Fantastique! Coriandre défie la mort elle-même avec cette potion miraculeuse. Fantastique! Inouï! Cette potion pourrait rendre le tout Komona riche! Vos applaudissements éliminent dès à présent Coriandre. Ichimi, pourra-t-elle surpasser cette démonstration? Je ne savais pas qu'il fallait faire une démonstration. Allons, Ichimi, tout le monde vous attend. Non, je ne peux pas. C'est trop dangereux. Désolée. Mesdames et messieurs, il semblerait que Ichimi abandonne. Attention! Non! C'est une potion de monstre chien! Monsieur le maire! C'est mon tour maintenant! Oui, idiote! Dole, Carotte. Il semblerait que personne n'ait à voir ta fabuleuse potion. Oh, mais... Je viens d'avoir une idée. Hmm?
que j'ai un zombie bourgeois. Ça te dit de tester la dernière potion? Tout d'abord, lis bien l'étiquette. Lis-la attentivement. Ok, je n'hésiterai pas à t'en verser dessus si tu ne dégages pas tout de suite de Comona. Pigé? Parce qu'elle a sauvé notre ville. La première place revient à... Mademoiselle Pepper pour sa merveilleuse potion. Vous allez rire, c'est pas vraiment une potion. Ce sont juste les échantillons d'urine de mon chat pour le veto. Pas vrai, Carotte? Miaou. Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, notre premier concours annuel de Quidditch. Non, c'est pas du Quidditch ?